Outre les 4 700 militaires gabonais, plus de 1 100 stagiaires étrangers ont été accueillis à Libreville en 2018 pour suivre leur formation au camp de Gaulle ou au centre d'entraînement au combat en forêt au Gabon. Aujourd'hui, c'est au tour des officiers du Niger, Congo, Cameroun, Mali et bien d'autres de l'École internationale des forces de sécurité de se former. Nous avons au sein de cette école des officiers insérés comme instructeurs. Par ailleurs, on est très intéressé de les accueillir ici aux Alliés Français au Gabon parce qu'ils préparent les forces de sécurité aux opérations de maintien de la paix. Les civils que les militaires ont un rôle très important à jouer dans les opérations de maintien de la paix dans le volet des renforcements des capacités de police. Donc voilà, il y a plusieurs pays de la sous-région qui contribuent aux opérations de l'ONU. L'armée française au Gabon s'est engagée également dans la sous-région pour former notamment les militaires impliqués dans la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA, en mettant l'accent sur la formation des formateurs et celle des cadres. Les éléments français au Gabon, eux, ils ont une compétence sur l'ensemble des pays de la sous-région. Donc la zone de responsabilité, c'est les 11 pays de la CEAC. Et à ce titre, nous formons chaque année de l'ordre de 8 000 à 9 000 stagiaires de ces 11 pays partenaires. Environ un peu moins de 4 500 Gabonais. Les éléments français au Gabon sont également un point d'appui opérationnel et logistique en Afrique centrale pour la conduite éventuelle d'une opération par l'armée française ou pour le transit des forces.